ça? Oui. Tu ouvres la porte? Oui. Entrez, mon ami. C'est tout du cinéma. Ça, c'est tous ces camps. Que j'ai dirigé. Séquence. Oui, au complet. Les 40 ans. Puis ça, c'est du cinéma, comme vous voyez. Puis il y en a en fait des histoires de cinéma. Puis ça, c'est encore du cinéma. Ça, c'est de l'art, puis il y a du cinéma. C'est bon, ça. Ça vous fait toute une bibliothèque? Ben, je sais plus quoi faire avec. Personne ne s'occupe de ça. Personne ne s'occupe de ça. Et quand on est spécialisé dans la matière, ce qui arrive, c'est que les autres ne sont pas intéressés. Ils viennent consulter de temps en temps quand ils ont besoin de renseignements, mais c'est tout. Alors, c'est, regardez ces gros machins, là. Ça, c'est quelque chose, ça, ces livres-là. Ben oui. La beauté de l'histoire du cinéma de Métri est là. Ben, là-bas. C'est une belle collection. Et tout ça, c'est... Vous savez pas quoi faire. Un jour, vous allez quoi, vous les donner, le vendre? Je sais pas quoi faire, ils en veulent pas. Ils veulent bien dépendre d'avoir un petit peu, faire un peu d'argent avec toute cette qualité-là. Il y a des collections complètes, hein? Et ça, c'est tout complet, ça. Le complet, ça. Puis tous les... Regardez, ce côté, toute une... Septième art, c'est plein, ça. C'est tout complet, ça. Et je ne vous ai pas montré les revues qui sont en haut. Mm. Vous pouvez les montrer d'autres fois. C'est incroyable. Ça vous fait pas mal au cœur de... Ben oui, parce que ça me va servir à quelque chose. Moi, je vais m'en servir, c'est... Mais je ne fais presque plus de cinéma. Je vais au cinéma deux fois par semaine, trois fois. C'est toute une bibliothèque. Ça vaut cher, ça. Ah, tu sais quand ça fait plaisir que vous prenez ça. Ah, ça, c'est votre œuvre, hein, un peu? Oui. Ça, ici, Cinéma et Culture, M. Ruskowski a fait des conférences. Elles sont là-dedans, souvent. Elles sont là-dedans, tu vois, ces conférences? M. Ruskowski en a fait quelques-unes. Moi, j'en ai fait une ou deux, je pense. Ah, puis le congrès, ici, voyez-vous, avec des congrès, ce sont des trois. Ce sont des trois. Avec l'assistant, il y avait du monde, hein? Il y a des photos là-dedans aussi, pour le congrès. Puis Cousineau qui avait sa mère du congrès, tu voyais là. Puis il y a Patrick qui avait été présent. Et la conférence finale était de M. André-Claude Nadon, qui était le centre du congrès. Moi, j'avais parlé à la Maison de Ciné-Club et ses implications. Formation, les témoignages, et ça, c'était des équipes qui travaillent là. Il y a des équipes en études, là. Ensuite, une autre équipe. Ça, c'est... Ah, voilà. Ah, bon, c'est pas grave, c'est pas très gros. Celle-là, vous l'avez vue, celle-ci, hein? Oui. Non, c'est pas la même. Non, c'est pas ça. C'est en discussion. Non, hein, non, ça, c'est... On m'a demandé qu'est-ce qu'ils ont vu, déjà. Jean Basile, qui est décédé, là, c'est journaliste au Devoir. Il faisait la chronique du cinéma. Et le rôle du cinéma dans l'évolution de la culture contemporaine par Henri Hagel. C'était ça, la conférence de clôture. Voilà. C'est du monde, hein? Oui. Regardez, je vais vous montrer ça va être intéressant pour vous. Ne bougez pas. Parce qu'il y a ici, voilà, la répartition. Il y avait 650 congressistes. Ça venait même des États-Unis. Il y a tous les diocèses qui sont là. Et par collège, maintenant. Ici. 150 toujours. École secondaire, normale, secondaire, grand séminaire, intensifs familiaux, pensionnat, université, autres. 150 personnes, c'est du monde, hein? Ça, c'était la soirée de clôture, ça. Qui était sur la couverture. Soirée de clôture, ça. Soirée de clôture. Voilà. Donc, c'est tous vos souvenirs qui sont ici. Eh oui. Ça, c'est quand j'étais... Quand j'ai commencé. En 51-52. Avec la JSC, là. Ça a commencé là. Et on faisait ça minuographié. Et on avait des beaux films là-dedans. Ça, c'est avant séquence, avant les oui, clubs. Oui, 51. On a commencé là. Quand j'ai commencé à l'École supérieure Saint-Viateur. Ça s'appelle l'écran de Ciné-Viateur. 51-52, deux années là-dedans. Tous les films sont là. Ensuite, qu'est-ce que j'ai là? Ça, c'est séquence. Ça, c'est quand j'étais donc 10e anniversaire de mon ciné-club à l'Académie Kerb. On avait fait des fêtes, trois jours de fêtes pour fêter le 10e anniversaire.
C'est le comité, ça. Vous avez publié combien de livres, d'après vous? Ben moi, j'ai publié donc en Ciné-Club, j'ai publié dans ma communauté, j'ai écrit La vie du Perkel. Ensuite, j'ai écrit... Sans compter toutes séquences, là? En séquence, moi, j'ai dirigé là, pendant... J'ai fait tous les éditoriaux là-dedans. C'est quelque chose, en plus de toutes les interviews que j'ai faites, et les articles que j'ai écrits. J'ai compilé ça dans dans mon autobiographie que j'ai faite, que vous ne lirez pas. Pourquoi? Parce que c'est personnel. Okay. Allez, mon ami, c'est fini. C'est fini.